En petite coupure, j'en ai profité pour me téléporter un petit peu plus près. Voilà. Je me demande si tu mérites le tour. Drôle de chien. Mais tu vois pas que c'est un cochon? Attendez, il y a Avas qui fait qui casse les pieds. Voilà. Allez, vas-y, attaque. C'est à lui qu'il fallait donner les coups de boule, pas à moi. Bon, comment on monte jusque là-haut? Attendez les élus. Ok. Ethan a annoncé ta venue. Si la flamme est... Beaucoup ont tenté d'allumer la flamme de l'Éden. Et tous ont échoué. Les ravageurs sont nombreux autour de la flamme, et ils tuent sans pitié. Notre meilleure option contre leur nombre et leur puissance de feu, c'est de les tuer discrètement, par la ruse. Nous t'avons apporté une arme digne de la mission sacrée qui t'attend. Je t'invite à t'en équiper. Les autres élus t'aideront. Maintenant, suis-moi. Oui, non, mais votre arc tout pourri, j'en veux pas, moi. Mais j'ai un sniper et un truc... Non, et en plus, ça va avec mon... Non. Non, j'en veux pas de votre truc. Voilà. La flamme est avant tout un symbole, plus qu'un outil. On a besoin de sa lumière. Ah, attendez, attendez. J'ai plus de... Voilà. Voilà.
ici. Voilà. Le père n'accepterait jamais cette arme. Je vais te dire franchement, je suis déçu. On s'en fout! Quoi, quoi? Vas-y, Horatio, finis-les. Essaye là d'en remettre un peu plus. Je sais plus d'où je viens moi. Ah toc. Ah. J'entends des gens parler. Bonjour. Dans le cul. J'en vois un là. Voilà. Horatio, attaque. Oh merde. Lui, on le relève. Oh oui, d'accord. Ça, c'est de la triche, messieurs. Hein. Pêcheresse. Quoi? Ce n'est pas fini. Cette étrangère est plutôt douée. Ouais, vous seriez jamais arrivé jusque-là. Hein. On a encore du travail. Merde! Non, 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 non! Merde! Non, mais. Ah, oh, putain! C'est un miracle que tu sois arrivé jusque-là. C'est chiant, ça. C'était
Je vais te dire ce qui va. Ça vous fout les boules, hein? On a encore du travail. Si vous équipiez un peu mieux, vous n'auriez pas de problème. J'ai vu beaucoup d'élus mourir en essayant de rallumer la flamme. C'est un miracle en soi. Oui, on va allumer le feu, 2 secondes. Parlez au chef. Pêcheresse. Oui. Ce n'est pas fini. Nous t'avons amené aussi loin que possible. Tu dois descendre dans la caverne et allumer la flamme toute seule. Ils ont inondé la salle et bouché les tuyaux. Ces tuyaux contiennent la grâce qui alimente la flamme sacrée. Vide l'eau et détruis les tuyaux pour libérer la grâce. Ensuite, enflamme-la pour que la flamme de la justice s'élève à nouveau. Et fais attention qu'elle ne t'emporte pas. Va, pêcheresse. Tu portes tous nos espoirs. S'il te plaît, tu me balances pas ton arc dans la tronche. Alors. Je crois que je vais voir l'histoire s'accomplir. Allez, viens, couche-nous, on y va. Je me demande si cette étrangère est bien la réponse à mon prière. Alors, videz l'eau. C'est où? Ah bah en plus, faut chercher. Je suppose que c'est par là. Détruisez les tuyaux de grâce. Ah, ça commence à piquer les yeux. Et le dernier doit être là-bas. Hop. Là-bas. On va se mettre très très loin. Attendez. Par où je peux monter? Non. Monte. Enflammer la graisse. Bon, ça a marché. On va se reculer, hein. Je viens de réaliser un exploit, étrangère. Parlez au chef. Merci, je suis pêcheresse. Enfin,
Je ne sais plus vraiment. Le père saura comment t'appeler. Même Ethan n'a jamais réussi à faire ce que tu as fait. De toute évidence, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Joseph. Tu dois retourner voir Ethan. Il te dira quoi faire. Et sache que tu nous as donné un nouvel espoir. Où le nouvel Eden se réjouira. La flamme est allumée. Il faut retourner tout là-bas. Je peux me TP là. Il faut les parler. Un petit coup de sauvegarde. Voilà. Ouais, la meilleure arme pour chasser, c'est quand même celle-là. Mais non, mais te fous pas au milieu! J'en ai eu qu'un, par contre. Tiens, tu veux t'amuser? Non. Vas-y, attaque. Putain, ils sont coriaces, hein. Peu de loup. Ouais. Et nous, on va par là. Non, je veux juste monter là-bas. Thank you.
Un non-croyant est un pécheur. Un non-croyant ne connaît pas nos règles. Un non-croyant ! À rallumer la flamme sacrée. On a besoin de Joseph. Il purifie nos péchés. Le père absoudra la pécheresse. Envoyez la pécheresse au nord. Famille du Nouvel Éden, vous avez sondé votre âme et vous voulez vraiment que cette pécheresse aille chercher notre père ? Eh oui, oui, il le faut. Le père a pitié des pécheurs. Après tout, nous sommes tous ses enfants. Préparez le sacrement. Le sacrement. Le père nous guide dans ce moment. Faites-la boire. Allez. La pécheresse peut s'aventurer au nord. Elle nous ramènera à notre père. Loué soit Joseph. Amen. Cela te permettra de survivre à ton passage. Rapporte la preuve de sa mort. Ils comprendront enfin que je suis leur prophète. Et je te donnerai l'aide qu'il te faut. Et tout le monde sera content. Nous allons te montrer le chemin. Il se passe des trucs bizarres. Toi aussi, tu vas mourir. Comme l'autre au début. Je me rappelle même pas son nom. En fait, t'en profites. Hein. Fais attention. T'en profites que Joseph, il est pas là. Hein. Ouais, Dark Vador. Et il est où, mon cochon? J'espère que tu es prêt à partir sur le champ. Moi, des munes. Voilà. Écoute-moi attentivement. Joseph a un sanctuaire là-haut, dans le nord. Le rituel exige que tu allumes des signaux le long du chemin. Je doute que mon père soit encore en vie pour les voir. Mais si tu ne les allumes pas, tu le paieras très cher. Parce que malgré le sacrement, le Nord peut encore te tuer. Ce bateau et ce feu sont la meilleure assurance pour ta sécurité. Ouais, le Nord se souvient, on sait. Si vraiment tu n'as pas d'autre choix. Il y a un arc qui t'attend. Allume les signaux avec des flèches enflammées. Rapporte-moi la preuve que mon père est mort. Et je ferai en sorte que tu sois célébré en tant qu'ami du prophète. Mais j'en veux pas de ton arc tout pourri. Bénédiction. Bon. Mais je veux pas ton arc tout pourri. Il est tout pourri, ton arc. Il est tout pourri. Tu essaies de me blesser? Non, je t'aurais mis une balle dans la tête si j'avais essayé de te blesser. Allez. Je peux pas aller plus vite. Il y a des trucs bizarres qui se passent là-bas. Ça y est, c'est les marcheurs blancs, ils arrivent. Non, je sais, c'est la nouvelle région Pokémon. C'est la 8G, allez, on y va.
budget qui est pompé sur Westeros, hein, excusez-moi, mais... Je sais pas si vous avez vu la carte. Ouh là là. Le feu vous protège de la grâce. Ouais. On se calme. Flèche ascendante via la roue des armes. Comment on fait? R1. Voilà. Je marche. Il faut que je tire un truc là-dessus. Non, c'est un trou. Bon. Allez. Trouver un moyen d'ouvrir la porte. Ah, il y a des trucs qui crament, mais... No.
que je peux l'atteindre de là. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Encore ça va, on se prend pas trop de dégâts. Parce que là, il y a une baraque. Il n'y a rien. Par contre, le jeu est un peu trop fort. Voilà. Rejoignez la porte du Nouvel Eden. Cadbri qui nous a fait. Ah, na, na. Ah, na, casse-toi. C'est bien, j'entendais un retournement. Ah, vous ne connaissez pas cette technique-là. Hein. C'est quoi? Un peu de loup? Aïe! Aïe! Accroche-toi! You. Allez, vous êtes calmés? Hop.
Je vais voir s'il y a un truc là-dedans. Monte sur le haut. Non, tu veux pas monter. Oh, ok. J'ai compris. Oula, hé, c'est par là que ça se passe. Sanctuaire de Joseph, Et j'ai perdu 3/4 de ma vie, je sais pas pourquoi. Juste une question. Ok. Petit sauvegarde, voilà. Mais... Arrête de faire le mongol!
Voilà. On peut y aller. Oh, il y a des trucs là. Ah, oui, le jackpot. Voilà. Bon, ça c'est fait. Mais il est pas mort, il est là. J'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. J'ai tout sacrifié. Moi-même. Ma famille. Ouais, mais là, il y a ton rejeton qui est en train de foutre la merde. Je nous ai conduits au nouveau monde. J'ai cru que tout y serait glorieux. J'avais tort. J'ai tellement attendu que quelqu'un arrive. J'ai vite désespéré. J'ai déjà vu ton visage. Dieu me l'a montré dans un rêve. Je savais que ce serait toi qui viendrais tout arranger. Que tu remettrais les choses dans l'ordre attendu. Je savais que tu apporterais le salut. Tu viens chercher de l'aide. Je ne peux rien faire pour toi, seul Dieu. Mais il a un projet pour toi. Viens. Marche avec moi. J'admire ta force morale. Ce n'est pas simple de s'aventurer au nord. Après le feu purificateur de Dieu, j'ai t'aurais pas un peu maigri? J'avais préparé. T'as pris un coup de vieux, ça c'est su sûr. Ce que nous devions faire en arrivant au Nouvel Éden. Quand l'humanité est ressortie, j'ai réuni mes fidèles pour partir sur une nouvelle voie. Le rejet de tout ce qui était en lien avec l'ancien monde. La création d'une nouvelle société. Qui vivrait de la terre et ne prendrait que le strict nécessaire. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Avant le capitalisme. Les années les plus rudes de l'hiver nucléaire m'ont poussé au désespoir. Et dans ce désespoir, j'ai trouvé notre salut. Cet arbre. Son fruit est un don de Dieu. Qui a donné à ma famille la force de supporter la famine. C'est l'arbre là-bas. Et la maladie. Oh, pardon. Le nouvel Éden a prospéré. Nous avons créé un paradis sur terre. Mais ça n'a pas duré. Les sauterelles y ont mis un terme. Quelle bande de salopes. Toujours leur faute. Ces ravageurs. Représente tout ce que Dieu nous a demandé de rejeter. Leur âme est pourrie, corrompue. Mais toi, tu es différente. Je crois que ton âme est digne. Mais j'ai ramené la bleubie, voilà. Alors, un dessin d'un ours très très moche. T'aurais pu ramasser tes barils en plastique là.
avec Rad. C'est quoi un pommier transgénique ? Non, non, fais pas des choses cheloues avec ton arme. Notre don de Dieu. Celui-là même qui a permis à ma famille de survivre. Laisse-moi te l'offrir maintenant. Notre miracle. Ah, ça tombe bien, je manquais de fibres. La première fois que j'ai accepté ce don, je me suis retrouvé face à une bête féroce. C'était mon âme. Et à cet instant, j'ai su que pour être digne de ce cadeau de Dieu, je devais tuer cette bête. Je devais purifier mon âme. Car si je ne le faisais pas, ce serait la bête qui me consumerait. L'épreuve de Dieu. Purifie ton âme. Mangez des pommes. La bête. Ouais, je suis en train de brûler. Au fait, ton fils, il m'a refilé un arc tout pourri. Si tu réussis, si ton âme est pure, tu es le berger envoyé par Dieu. Et je peux rentrer de mon exil. Notre miracle nous a permis de survivre, mais ces dons ne sont pas sans condition. Il nourrit ce que contient l'âme. Mais si cette âme est tordue, le miracle t'en fait payer le prix. Ah, c'est peut-être son âme lourde sur le... Écoute mes conseils. Tu ne survivras pas. Ah non, non, ils m'ont refilé leur arc tout pourri. Je veux pas de cet arc tout pourri. Je suis où là? C'est quoi ce truc? Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes Ramsès II, monsieur? Non? Bonjour. Vous devez être le Bigfoot. Oula. Affronte ta bête où elle est la plus faible. Ah mais cours, 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 cours. Mais cours. Pourquoi tu cours pas? Quand la bête s'élève. Cours, voilà, on court. Cours. Oh là là, 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 là. Fous-moi la paix. Casse-toi. Quand la bête s'élève. Oui, bah j'ai compris, mais pour l'instant, elle s'élève pas, la bête. Allez, lève-toi! Merde.
Vous voulez pas me filer un flingue plutôt, ça serait plus simple. Aïe! En plus, ça venait dans mon cul. Donc... Oh, ben... Quand la bête s'élève. Tu ne peux pas combattre ta propre bête dans les ténèbres. Ah, putain. Non mais... La paix. Hop là. Il est derrière moi, il est derrière moi. Hop. Hop là. Vise la faiblesse au cœur de tes péchés. Ça serait bien s'il arrêtait de tirer. YOLO. Allez, lève-toi. Aïe. Où est-ce qu'il est? Allez, lève-toi. Allez, Eve. Lève-toi. Voilà. Le feu va purifier l'âme. On peut utiliser la tyrolienne. Hop là. Tiens, cadeau. Ah non, mais... Eh ouais, oh. Ça se fait, là. Hein. Vilain nounours. Vilain nounours. Tiens, cadeau. Merde. Libère la puissance qui coule dans tes veines. Ouais, Power Ranger. Pas Power Ranger. Tiens. Tiens, patate. Le nom s'il vole. Tiens, patate. Tiens. Amène-toi, pas beau. Tiens, bouffe. Ce
C'est pour ça que je suis ici. Il y a ceux qui ne doivent en aucun cas profiter du miracle. Même si je les aime. Même s'ils font partie de ma famille. On parle de ton fils, là, machin, là. Le péché est une bête qu'il faut affamer. Suis-moi au Nouvel Éden. Notre avenir dépend du strict respect de mes règles. On ne doit plus espérer que Joseph nous sauvera. Il ne reviendra. Hé, hey, il est là. Il est là, il est là. On doit cesser. Entendez-vous, il est là. À son retour et... Je... Père. Ethan. Père? C'est le père. Où étais-tu? Nos terres sont assiégées, notre peuple est menacé. Tu avais disparu. Alors que nous avions besoin de toi. Pourquoi? Pour que Dieu me parle, mon fils. Pour que Dieu me parle. Mes enfants! Je sais que vous avez souffert. Et je sais que vous avez peur. Je vous ai laissé seul pendant très longtemps. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu m'a parlé. Il m'a montré la voie pour sortir des ténèbres. Nous ne nous cacherons bientôt plus derrière ces murs. Nous ne nous contenterons plus d'espérer que les sauterelles veuillent bien nous laisser en paix. Le moment de nous battre est venu. Car Dieu nous a enfin envoyé son épée. La voici. Dieu a testé son âme, et elle est juste. Et elle est pure. Et je me tiens là, devant vous, pour témoigner que l'étrangère est notre berger. Père! Et tous ensemble, nous irons combattre les hordes massées à nos portes. Et tous ensemble, nous marcherons vers cet avenir que Dieu nous a promis. Non! Tu m'as abandonné. Tu nous as abandonné. Sans un seul mot, sans instruction, me laissant les guider, seul, du mieux que je pouvais. Et là, maintenant, tu es de retour, comme si tu descendais du ciel, et tu veux nous guider? Mais oui. C'est moi qui commande ici. Joseph est notre chef. Le Nouvel Éden m'obéit! Nous suivrons tous le Père. Mon fils, je sais que tu as porté un lourd fardeau en mon absence et je te comprends. Mais c'est la volonté de Dieu. Et parfois, il faut savoir sacrifier ce que nous voulons pour répondre aux commandements du Seigneur. Qu'est-ce que tu as sacrifié, toi? Un jour, tu verras la lumière. Venez, avançons tous ensemble. Nous avons du pain sur la planche. Les pièces se mettent en place. Sois béni. Ah, on peut pas sauvegarder.